Grande soirée qui arrive du côté du PSG, de la Ligue des Champions, de l'Europe, parce qu'il n'y a pas que le mercato aujourd'hui qui va s'arrêter, évidemment. Il y a aussi le tirage de la phase de groupe qu'on attend tous, qui va démarrer en septembre. La nouvelle campagne, l'espoir, les rêves pour certains. On sait que d'autres, peut-être Laoni, par exemple, y croient un petit peu moins, mais je fais partie des fous qui se disent que peut-être que le PSG ira loin. Et donc, nous, tout simplement, on va donner un peu le tirage qu'on aimerait, qu'on sent pour ce soir. Voilà, on se fait plaisir, un petit moment détente sur Paris Fan, avec notamment Laouni, toujours au soleil. Ça fait plaisir, évidemment. Est-ce que ça va? Salut à tous, bah écoutez, impeccable, tout va bien, wow, soleil, on va dire ça. Ouais, commence pas à pinailler parce qu'il y a trois nuages. C'est bon, il y a du soleil, profite, nous en faites pas. On a aussi notre soleil, le soleil de Paris Fan, celui qui éclaire toutes nos journées, qui me permet de briller chaque jour, l'inné plus à Arthur. Est-ce que ça va? Salut Laoni, salut Nico, bah ouais, tout va bien, on parle foot enfin, c'est bien, c'est cool. Ouais, attention, attention, le mercato va peut-être revenir très vite aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, on sera prêt, mais Ouais. là, hop, c'est fini, on mentionne même plus le mercato, la Ligue des Champions, notre phase de groupe, on va dire comment on le sent, ce qu'on a envie de voir, on va s'amuser un petit peu avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours important, et puis bien sûr, abonnez-vous, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce tirage de la phase de groupe. Bien sûr, on fera un débrief au plus vite. Il y aura aussi le bilan de ce que l'on ne doit plus nommer, mais qui arrivera aussi très vite sur la chaîne. Mais là, pour l'instant, voilà ce qu'on a envie de voir, ce qu'on sent bien, l'histoire qui va s'écrire. C'était l'idée d'Arthur, cette vidéo. Donc, c'est lui qui va commencer à proposer son petit groupe pour le PSG. Oui, bah du coup, j'ai deux petits groupes pour le PSG à vous proposer. Et bon, déjà, un, le PSG sera dans le groupe. Ah, blague, hein? Ça. Sympa. Ça, c'était pour la petite blague marrante. Donc, pour un chapeau 2, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein, c'est des grosses équipes. Donc, dans les deux cas de figure, dans les deux tirages que je propose, il y aura Arsenal. Voilà, Arsenal, c'est une équipe que j'ai envie que le PSG joue. C'est une équipe qui joue bien. J'ai envie de voir ce match PSG-Arsenal. J'ai envie de voir Arsenal-PSG. Voilà, dans les deux cas de figure, je trouve que c'est l'équipe que je serais assez satisfaite de rencontrer. Par contre, pour le chapeau 3 et le chapeau 4, mon choix peut varier un petit peu. Alors, il y a deux possibilités. Soit le groupe de la mort, qui m'intéresse énormément. Je sais que Laouni l'intéresse pas mal aussi. Après, il y a d'autres possibilités qui sont alléchantes, je trouve, sur le papier. Donc, je vais dire d'abord le groupe, on va dire, un peu plus facile, donc PSG, Arsenal, Lazio de Rome et Real Sociedad pour le groupe un petit peu plus facile. C'est vraiment un groupe que j'aurais envie de voir. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça touche un petit peu plusieurs championnats, on va dire, majeurs. Je trouve que ça reste un groupe qualité. Un peu plus facile parce qu'il n'y a que Arsenal qui est vraiment un gros contender au Paris Saint-Germain dans ce groupe-là. Voilà, ça c'est pour un groupe, on va dire, un peu plus Même si c'est des facile, belles équipes, qui hein. plairait. Mais c'est des belles équipes. Mais voilà, ça me plairait bien sur le papier. Je trouve que ça ferait des belles affiches. Mais sinon, je suis aussi un adepte, en ayant bien étudié ça, et puis bah, cette volonté, en fait, que le PSG arrête de nous faire des premiers tours où ça passe tranquille, ou huitième de finale, où tu arrives comme ça, tu joues contre un gros club, tu sais pas où t'habites. Du coup, je suis plutôt pour, et du coup, j'ai un troisième chapeau qui serait donc Milan AC, donc PSG Arsenal Milan, et dans le dernier groupe, attention. Tu vas me faire peur. Du coup, hein? Non, non, dans le dernier groupe, c'est compliqué, parce que à la base, je voulais mettre Newcastle, mais comme il y a Arsenal, ça serait pas possible. Bah ouais, Donc t'es bloqué. évidemment, je vais mettre Union Berlin, qui est une équipe qui peut être très solide à domicile. En tout cas, sur les matchs que j'ai regardés l'année dernière, je trouve que c'est une belle équipe. Voilà. Après, quand je dis groupe de la mort, c'était avec bien sûr Newcastle, mais avec Arsenal, c'est pas possible. Donc Union Berlin, AC Milan, Arsenal et Paris Saint-Germain, Je pense que je serais plutôt hypé. c'est un joli groupe. Il y a de l'histoire, il y a du jeu, il y a du changement aussi un peu. Là, Oni, je laisserai toi faire ton groupe, je serai le mien en dernier. Mais j'aime bien qu'il y ait un peu de changement par rapport au club qu'on voit tout le temps, chaque année. J'ai l'impression qu'il n'y a que des champions, hein, Barça, Real Madrid, Manchester, Leipzig, Bayern Munich et puis les autres. De temps en temps, on se dit coucou, Shakhtar Donetsk quand il faut aller vers l'Est. J'ai l'impression qu'il y a un peu souvent ça, mais peut-être qu'on va quand même les retrouver. Là, Oni, qu'est-ce que tu nous as concocté comme groupe? Rien de spécial à part du beau football. J'ai envie de revoir du foot. J'ai envie aussi de jauger cette équipe du PSG avec Luis Enrique qui a l'air de proposer de bonnes choses. Au parenthèse, j'espère qu'ils se prépareront bien comme il faut pour la Ligue des Champions. Non, ça va être un groupe relevé. Moi, j'ai mis Arsenal pour commencer. J'ai envie de voir aussi face à Mikel Arteta l'opposition qu'il peut y avoir face à une équipe anglaise qui met aussi beaucoup d'impact
et qui est très fort aussi à la récupération, qui propose aussi du jeu avec des joueurs très dangereux, notamment Saka, pour en donner qu'un seul, par exemple. Le Milan, de retrouver l'AC Milan aussi en Ligue des Champions, un petit choc face à nos amis italiens, hein, pour retourner un petit peu dans le vintage ou dans le rétro. On a vu que Milan aussi, c'est une belle équipe qui revient tout doucement dans les bonnes équipes européennes. Donc ça de se déplacer à San Siro et de recevoir aussi Milan au Parc des Princes, je pense que ça serait une énorme affiche en termes d'audience. Et mon petit plus, ça serait aussi pour pister un joueur, qui est Diogo Gonçalves. C'est Copenhague. Il y a une belle équipe qui joue bien au ballon, qui a deux, trois joueurs intéressants, dont notamment lui. Et je pense aussi de jouer contre cette équipe danoise, si je dis pas n'importe quoi. Ça serait, voilà, en tout cas un groupe assez intéressant, voire même sexy en termes de jeu et de football. Arthur, un petit mot avant que j'enchaîne sur ce groupe Bon, un écoute, peu original. je suis assez d'accord avec Laouinich. Bon, il m'en avait parlé, Diogo Goncalves. Évidemment, si on pouvait jouer contre des joueurs comme ça, histoire que le PSG retienne un peu ses noms, parce que là, on galère au dernier jour du mercato, les deux derniers jours du mercato pour recruter des attaquants. Pas de mercato, Alors pas de mercato. qu'avec Laouinich, on a une vidéo qui nous attend. Je peux vous dire qu'on en a des buteurs à marquer. Et Diogo Goncalves, qui n'est pas un buteur, mais qui marque beaucoup de buts, est effectivement un joueur intéressant. Ça pourrait être un match original contre Copenhague. Moi, j'ai été au Danemark et je valide totalement un PSG Copenhague et un Copenhague PSG. Oh, Mais ils sont pas qualifiés moi, ça me encore. ferait plaisir. Non, non, au moment où on enregistre, ça se trouve, vous verrez ça, Copenhague aura été éliminé. On est désolé. Bon, on va dire que ça va passer pour eux. Bon, j'espère. Bon, de toute façon, j'espère. De Ouais, toute il y a façon, match ce bon, soir. alors, pas faire trop loin, mais j'ai vécu au Danemark, à côté de Copenhague. Donc, oui, moi, bon, en plus, ça se trouve, ce serait l'occasion d'aller voir des amis. Donc, allez, pour le petit bonus du cœur, j'aime beaucoup le groupe de Laouni. Arsenal. Je suis d'accord avec vous, mais j'avoue, moi, je l'ai pas osé, Arsenal. Alors que oui, ça me fait envie, le jeu, machin, en ce moment, ça pourrait être sympa. Mais moi, je crois que je suis bloqué, je suis matrixé. Je sais que dans le groupe, il y aura l'un des clubs qu'on voit souvent. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ce soit le club, peut-être l'un de ceux qu'on voit le plus, en tout cas dans les rumeurs, et qui en parle tout le temps, et qu'il y a des trucs partout, il y a des histoires. Pour la presse, ça serait la fête. Pour le site, on en deviendrait fou. Voilà, le Real Madrid, voilà, on va tomber sur eux, toute l'histoire Mbappé. Voilà, il nous faut un truc croustillant, un truc où on peut avoir des semaines de. Ça parle, peut-être ça se parle entre présidents, ça explose, on oublie le terrain, ça compte plus. Real Madrid. Bon, pour de vrai, j'aimerais bien que ce soit autre chose, mais voilà, moi je suis parti du fait qu'il y en aura forcément un habituel dans Real Madrid. Et après, une fois que j'étais là-dessus, je me suis dit, j'ai une idée qu'Arthur a évoquée, que j'ai la même. Moi, je veux un groupe où, à la fin, si on sort, on se dit, ah ouais, on est vraiment armé, qu'il n'y ait pas des doutes pendant 2 mois. Oui, mais c'était plutôt faible, ils ont eu de la chance. Voilà, le groupe, on passe. Ok, ils sont plutôt solides. Donc, comme vous, AC Milan, je pense que c'est notre fan du groupe 3, parce qu'on a tous envie d'histoires, de beaux jeux, de belles rencontres, l'AC Milan. Et à la fin, moi, du coup, il n'y a pas Arsenal. Et du coup, je peux ajouter Newcastle à ce groupe. Et là, on s'amuse. Il y a les projets grandissants, il y a les anciens, il y a. Voilà. Moi, c'est le groupe, je me dis, on y va. Le groupe un peu de la mort. Je sais pas si on peut faire beaucoup plus dur, à part enlever le Real Madrid. C'est un autre de cette poule-là, mais pour un bon mélange, voilà. J'aimerais bien un peu de sinon d'originalité, j'aime bien l'idée de Copenhague ou d'un petit club qu'on voit jamais, de pays qu'on voit pas trop, mais voilà, c'est mon groupe, Real Madrid, AC Milan, Newcastle avec le PSG. Oh bah après, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que pour les histoires, le Real Madrid, avec tout ce qui s'est passé et tout, etc., ça pourrait être pas mal de leur mettre un petit 4-0, 4-0. Pour ça, je valide totalement le tirage Real Madrid. Après, voilà, le Real Madrid, cette année, ils ont pas recruté d'attaquants. On se demande pourquoi. Et dans le jeu, j'ai pas trouvé que l'équipe est exceptionnelle. Vinicius s'est blessé déjà, donc on se rend compte, on pourra potentiellement se rendre compte des limites. Donc, ouais, je mise plutôt sur l'originalité, mais après, ouais, si c'est le Real Madrid, ça fera des gros titres, quoi. Oui, bah oui. Ouais, Pour s'amuser. non, ouais, pour s'amuser. Après, j'espère pas le Real Madrid. J'espère voir vraiment une équipe face à des équipes plus prêtes qui proposent une meilleure opposition, style Arsenal, style Milan, où là, il y a vraiment match. Real de Madrid, c'est plus pour peut-être les quarts, les demi, les huitièmes, monte crescendo en termes d'adversaires. Non, mais il nous faut un classique. Sinon, ce sera Manchester United qu'on a souvent parce qu'on n'a plus Newcastle. Du coup, j'enlève les Anglais. À la limite, on enlève le Real, on met de l'originalité, on met l'Atlético Madrid et je pense qu'on met tout le monde d'accord là. Là, il y a de la difficulté partout, mais il y a moins le côté historique. Donc voilà, c'était nos groupes. On va pas faire trop trop long parce qu'on va surtout débriefer après le tirage qu'on aura. De toute façon, pour de vrai, il doit y avoir beaucoup d'options. J'ai pas fait les calculs, mais il y a plein de choses possibles pour ce Ah oui. tirage.
Nous, on s'est amusé un petit peu à faire ces petits groupes. Vous, bien sûr, dans les commentaires, proposez vos choses. S'il y a l'un de nos groupes qui vous plaît plus que les autres, dites-le. Si vous avez envie de faire votre tirage, ça sera avec plaisir. Si quelqu'un a le bon, eh bah, bravo. Parce que pour de vrai, c'est compliqué en tout cas. Voilà. Merci à mes deux camarades, mes deux amis, mes deux amours d'Anus Odino, notamment Laouni. J'ai vu, je t'accorde ce que tu disais en début de vidéo, le soleil a disparu. Donc, ok, là, il est plus là, mais merci d'être venu. Encore hein, une bonne cote de jouer. Non, mais on va dire qu'on attend la Ligue des Champions avec impatience, en espérant que Paris se renforce bien comme il faut sur les dernières heures du mercato. Et puis après, en espérant un groupe, en tout cas, à portée de main pour essayer de sortir de cette poule. D'ailleurs, techniquement, après le tirage, il reste un petit peu de temps pour des transferts. Ce serait marrant un club qui change, un joueur qui change de club dans la même poule. Ça deviendrait. Oh là, le PSG Real Madrid. Effectivement. Pardon, je le sens. Pardon. Vous Toi, tu sentez veux les dire grosses histoires. Mbappé qui signe au Real Madrid après avoir tiré le Real Madrid? D'accord, ok, d'accord, j'ai compris ce que tu voulais. De vrai. Ce serait l'une des grandes histoires du foot. Mais bon, on verra comment ça se passera. Mais il y aura peut-être des trucs rigolos même concernant les autres équipes. En tout cas, on verra tout ça. Merci bien sûr Arthur d'être venu, d'avoir supporté le mercato qui est presque fini. On est obligé quand même d'en parler dans cette vidéo. Merci pour cette vidéo Ligue des Champions. Merci à vous deux. Et puis j'ai un petit message à faire passer à John. Non, John, tu ne pourras pas avoir et Manchester United avec Højlund et le RB Leipzig avec Simmons dans le même groupe. Je suis désolé pour toi. Tu dois devoir te passer un de tes chouchous. C'est le coup dur. Ah, Leipzig, j'ai pas envie d'affronter Simmons. Moi, je l'ai écarté tout de suite. Et puis, voilà, je le dis. Mais bon, pourquoi pas, peut-être. Il faut plein de possibilités. On verra ça. On se débriefera ça très vite, au plus vite après le tirage. On va s'organiser, en tout cas. Abonnez-vous, bien sûr, pour rien manquer. Vous l'avez compris. On est là en pleine forme pour toute la saison du PSG. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.